Allô, mon nom est David Noël. Je suis un comédien maintenant professionnel. Allô, je m'appelle Melania Maria Balmaceda-Venegas. Je m'appelle Anna Romani. Je viens de graduer en fait au mois de juin de l'École nationale de théâtre du Canada. Moi, c'est Jean-Philippe Boivin. J'ai 28 ans. Je suis finissant de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM et je tripe ma vie sur le jeu, sur le théâtre. Le projet de la jeune troupe du Catsou, c'est un projet qui existe depuis maintenant 3 ans. On est à la 3e édition. On est 8 jeunes qui vont pouvoir jouer sur les planches du Catsou en mai. Et c'est l'occasion pour nous de rencontrer des professionnels, une autre équipe, une autre cohorte aussi. Notamment pour moi aussi qui suis immigrée, c'est quand même un nouveau réseau en fait qui peut se permettre assez facilement. La jeune troupe, pour moi, c'est la culmination de mon école de théâtre. C'est comme la présentation ultime de tout ce qu'on a appris à l'école. On travaille avec Marie-Ève Milot et Soleil Launière sur un recueil de poésie qui s'appelle « Quand je ne dis rien, je pense encore » de Camille Reedman Prudhomme. J'ai été très surpris. Je pense que j'étais nerveux d'apprendre un peu le matériel avec lequel on allait travailler. Mais je vois ça comme un beau défi. La poésie, pour moi, c'est quelque chose qui est un matériau brut. Et en ce sens-là, on peut faire vraiment toutes sortes de choses avec ça. Moi, personnellement, j'ai pas travaillé beaucoup en poésie, mais justement, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que je développe et que j'aime de plus en plus. J'ai bien hâte de travailler ça et de montrer ça à vous. Merci énormément pour vos dons, puisque ça nous permet justement de pouvoir présenter ça sur scène. On l'oublie parfois, mais avoir accès à des studios de répétition, avoir une scène pour pouvoir jouer, c'est un luxe. Puis c'est entre autres grâce à vous qu'on réussit à pouvoir pratiquer notre art. Fait que merci pour ça. Je suis reconnaissante pour tous vos dons et pour votre présence puis vos encouragements. Merci de donner généreusement pour la troupe Catsou, ça lui donne vie puis c'est vraiment une expérience formidable. Merci.